Bonjour, bonjour. J'ouvre mon vlog. Il est 19h05. Oui. J'ai pas vlogué plus tôt parce que j'ai encore des crampes. Et comme ça, donc je vais aller quand même consulter si ça continue donc cette semaine. J'ai quand même envie de faire des tests pour voir ce que c'est. Est-ce que c'est quand je bois du lait? Est-ce que c'est quand je prends du gluten? Est-ce que tu vois? Donc, on est allé faire des petites courses parce qu'on n'est pas du tout organisé avec les courses. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un gros plein, eh ben on va le faire tous les 2-3 jours. Et c'est là où ça coûte un bras en fait. C'est pas bien. Mais bon, ce soir j'ai envie de faire, j'ai prévu de faire une petite recette hyper basique pour le coup. Des gnocchis, je vais faire un gratin de gnocchis, je ne fais jamais de gratin, jamais. Mais là j'avais envie, et en plus, comme il y a du fromage, donc je vais voir tout de suite. Tomate comme ça et basilic, ça focus. Et je vais mettre aussi au dernier moment de la mozzarella, donc ça c'est la mozzarella que tu fais chauffer. Et non l'autre mozzarella que tu manges en salade, mais par exemple ma maman c'est ce qu'elle fait quand elle chauffe. Je crois pas que ce soit très bon. J'ai pris quoi d'autre? Ah, que des trucs, je me suis fait plaisir. J'ai pris ça. Carottes jaunes de Bretagne et fromage frais. Ça, ça doit être le fromage frais aussi, voilà, c'est ça. Ciboulette et pour aller avec. Est-ce que vous connaissez? C'est bon, mais c'est bon. Goût crème oignon, c'est d'un gourmand. Et là-dessus, tu rajoutes ça, c'est mémorable. Et oui, bien sûr, j'allais oublier des petits oignons, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des oignons de Roscoff. AOP, bah bien sûr. T'as fini ou pas? Comment ça se passe? Et là, une petite envie de femme enceinte. De la noix de coco, comme ça. Ça m'a donné envie. Pour faire dans le gluten, lait, tout ça, je vais également tester le sans gluten. Et en plus, ça a l'air trop bon. Des petits céréales comme ça, fourrés à la noisette. Arrête! Non, mais tu vois, moi j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est des conneries sur conneries, tout le temps. En parlant de conneries, on est allé à Decathlon justement tout à l'heure. On a pris une masse de 5 kilos. Vous êtes en train de dire, mais pourquoi faire? Bah pour poser sur la poubelle, hein, tout simplement. Parce qu'il la renverse et au moins, avec le poids, normalement, ça doit être bon. Eric, ce soir, il a... au-dessus. Hein, il a une course de 3 heures. Donc moi, je vais me faire un petit programme. Déjà, je vais te fermer tout. Je vais te mettre des petites lumières indirectes sympathiques. Une petite série, il me reste 2-3 épisodes. Et puis un bon repas. Je vais peut-être être pliée en deux, mais au moins, je suis en train de regarder une série qui est hyper surprenante. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de très romantique, très mignonné. Et en fait, c'est romantique, certes, mais c'est surtout complètement barré. Et c'est même un peu dramatique. Sur Netflix, le blues du maestro. Hyper surprenant et plutôt sympa. Parce que j'ai vraiment continué. Ça va, doudou? Tu vas manger? Tu peux manger, non? Je vais manger. Par contre, moi, je t'ai dit que je vais faire ma recette. Et demain... Non, il en restera demain. Il vient de me faire tomber mon portable. Jack, c'est Jack. Pourquoi, à ton avis? Tu veux goûter ça? Oui. C'est du délire. Jack, arrête. Descends de là. Ça se mange comme ça? Ben oui, alors... Ça se suffit tellement, c'est bon. Bien sûr, tu peux rajouter ça. T'as vu comment c'est gourmand? C'est la folie. Folie, hein. C'est délicieux. Ben, bien sûr. C'est incroyable. Incroyable. Je range tout et je vais faire ma petite recette. Bien sûr. On va se faire ça. J'ai plus de mots. C'est trop bon. C'est indécent comment c'est bon. Mais vraiment, pour l'instant, tout est sous contrôle. On ne se passe même pas. Arrête, je le range. Je cherche mon clips, bien sûr, je le trouve pas. J'en avais 5 des clips. Il n'y a plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas laisser ta mère ou pas faire la recette ou ça va être chiant? Ouh là, la caméra. Ah, je vais te faire la totale en vrai. Je vais te rajouter les petits oignons. Je vais faire chauffer dans une casserole d'eau les gnocchis. Quand ils remontent, c'est bon. Ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les gnocchis dans ce plat. J'aurais pu mettre directement les oignons dans le plat, mais j'ai envie de les faire revenir un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait encore? Descends, Jack. C'est fou, on peut pas avoir le dos tourné. Ça remonte, ça remonte. Je peux pas trop accélérer. Et puis là, oh bah! Quoi? Joli. Un peu de mozzarella. Ah, on est vraiment sur du gros gratin là. C'est parti mon Jackie! On a le pilote qui est en train de se préparer. Avec ses belles chaussures Sparco. Et tiens, on me l'a pris ça. J'espère que ça va t'aller, mais le problème c'est que. Il trouve jamais de pantalon à sa longueur. Pas chez Decathlon, ça n'existe pas. Chez Decathlon, c'est du 34. Il a des trop longues jambes. Moi, regardez. Je vais me préparer la petite ambiance. Les éclairages indirects. Ah ouais, là, ça fait du dul, là. C'est quoi? Pêche au moule, là. Non, mais je ça va pas. Oui, ah ouais, t'es vraiment emmerdé, là.
ce sera comme ça à chaque fois. Ah ouais? On ne vend pas en France de 36 sur les pantalons. Bon. Ça s'arrête à 34. Bon, on va sortir du four le gratin. Je crois qu'on est bien, là, on est bien, ça a sonné. Ah, ça nique les oreilles. Bon, bah, bébé, donne tout. C'est une course importante? Très importante. Tant que vous n'êtes pas droit. Bah, ça, on sait qui a laissé la porte ouverte. Hein. Elle se reconnaîtra. Bon, bah, c'est un vrai gratin. Ah, j'aurais presque eu envie. J'aurais dû prendre ça frais. Du basilic, mettre des belles feuilles de basilic. Pah. Enfin, moi, il y a déjà du basilic dans ma sauce, mais ça ne sera pas autant savoureux. Vous entendez le crépitement, là? Attends un peu, parce que ça m'a l'air bien chaud. Par contre, avant de commencer cette petite soirée très cocooning, je tiens à préciser que j'ai des crampes de dingue, là. Et j'ai pas encore commencé à manger. Donc, c'est ça. Ma série. De retour, nous sommes... Parce que ça ne fonctionnait pas, bébé. Ça tournait pas. C'est mes lunettes polarisantes. Attends. Quoi? Attends. Oui, bien. Tu sais, des fois, on cherche des trucs pour les enfants. Ils aiment bien les boîtes de jeux. Oui, c'est vrai. Bah, maintenant, on sait qu'il y en a... Ah oui, j'avais pas vu qu'il y en a plein, là. Ah? Bah oui, chérie. J'adore les boîtes de jeux. Après, je joue pas, c'est marrant. Ouais, c'est très drôle. Les boîtes de jeux, on... J'en peux plus. Fais rêver. Celle-là, Earth. Ouais. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, mais j'ai Par contre, tu sais qu'il a eu les Awards 2023. Non, même j'ai oublié d'en C'est vrai que c'est boîte. Beau. Oui, donc, c'est le lendemain. J'ai encore des spasmes. Hein. Ils sont là tout le temps. Tout le temps. Mais ça reste gérable. De toute façon, demain, j'appelle le médecin. On va voir ça. Donc là, on va boire un verre, manger. On est le 1er octobre. Hein. Ouais. Ce matin, j'ai fait tous mes pointages. C'est tous les premiers de chaque mois que j'ai les cartes de crédit qui sont débitées pour la box. Et bah c'est cool parce que vous êtes toujours autant nombreux. Vous pouvez la commander jusqu'au 10 octobre, la box d'octobre. Le thème, je vous le donne tout de suite, l'été indien. Et on va être sur 5 produits. On s'aimera encore, il fait une liaison qui n'existe pas. Ah ouais. Et bah, c'est bien agréable de voir autant de monde un dimanche. Deux petits verres d'eau avec une rondelle de citron. Hein, c'est ça, chérie? Oui. Voilà. J'ai même pas filmé. On a mangé une pizza. Mais elle était bonne. On sort du resto. Bon, on s'est régalé, regardez. Les coquinous. Ça se baloude. T'es sur le point de rentrer, là. Et on a vu cet endroit restaurant, les terrasses de Courtauzé. Évidemment, c'est pas pour les manger. Mais pour se poser, tu vois, boire une infusion, un truc. Le lieu a l'air joli. Je suis pas certaine que ce soit ouvert. C'est ça. Il fait extrêmement beau. 1er octobre, je le répète. Je sais pas si on est trop loin. Ça m'a l'air tout joli ici, dis donc. Oh, attends, c'est privé ici. C'est chez quelqu'un. Il n'y a personne. C'est dommage, ça avait l'air sympa. Je vous ai même pas repris tout à l'heure. Bon, évidemment, nous sommes rentrés. T'as pris alors le reste? Oui. T'as goûté ou pas déjà? Je me rends compte que je vous ai même pas dit qu'en fait tout à l'heure on était à Vendôme. Je vous l'ai pas dit puisqu'en fait la première partie j'avais vlogué, ça avait pas fonctionné, c'est là que j'ai dû le dire. Bon, il est 19h54. Arrête, Jackie. Je suis fatiguée, j'ai pas faim, je vais prendre une... Eric là il va prendre le reste du gratin, c'était très bon. Et la série là, le blues du maestro, très honnêtement je vous la conseille. Tu passes un bon moment, en plus vraiment les décors, ça se passe dans une petite île en Grèce, la bande son est top, et vraiment l'histoire en elle-même et tous les personnages, c'est pas mal, c'est une très très belle, c'est compliqué à dire, mais c'est une série à regarder, vraiment je vous la conseille. Ouais, donc moi là ce soir ça va être, histoire d'avoir un truc quand même dans le ventre, une soupe, de l'eau, une soupe, de l'eau, une soupe. Ah, le petit plat d'Eric est prêt. Ça aurait été meilleur au four quand même qu'il le réchauffe. Mais... Qu'est-ce que t'as? Oh là là, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli prendre le plat bouillant à même la main. Tu te rends compte de la bêtise de ta mère? Ouais, ta mère, elle est pas concentrée. Elle est pas concentrée, ta main. Tu sais que j'ai failli faire une connerie monumentale. Tu te rends compte aussi, toi? Bah oui, tu te concentres. Ah oui, là, non.
Bon appétit. Tu vas te régaler, hein. C'est tout ce qu'il y a. Il faut que je finisse. Bonne soirée, passe de bonnes vacances, salut. Bonne fin de journée. Bah écoute, bah, oui. À bientôt. Bon, pareillement. Voilà, comment nous procédons? Notre petit rythme, c'est le nôtre. Si on a envie de dormir séparément parce que monsieur ronfle, vous savez que de plus en plus, même les jeunes couples dorment séparément. Très honnêtement, moi au début, attendez, à contre-jour, forcément, je restais avec lui parce que tu te dis, oh, c'est la fin du couple, si tu commences à faire lit séparé. Et à un moment donné, bah, comme tu n'as pas du tout dormi et que tu accumules une fatigue sur des jours, des semaines, tu pètes un plomb la journée. Donc en fait, on s'est rendu compte que c'était vachement mieux. On a la possibilité parce qu'on a, voilà, il y a deux chambres, enfin il y a un peu plus de deux chambres même, mais aucun souci. Bien sûr qu'on dort ensemble quand on va à l'hôtel, même parfois ici, mais quand le lendemain il faut se lever tôt, on a des grosses journées, bah c'est pas grave. Hein. Et donc en fait, parce que c'était pas ça à la base que je voulais dire. Oui, notre rythme. Quand l'un et l'autre veut regarder des séries qui forcément ne plaisent pas à l'autre, et bah chacun lui il a sa toxicité. Et moi, et après on se rejoint pour les séries qu'on veut faire en commun. Tout est question d'entente. C'est hyper désagréable. Cette barre permanente que j'ai. Ça fait, on est sur du 4 jours là. Non, j'appelle. Alors, je pense pas, vu qu'il y a plein en ce moment, il y a plein de trucs qui traînent. J'ai peur que ce soit un peu blindé, moi, que j'ai pas de place tout de suite. Mais... Tu me fatigues là, vraiment. Je vais me faire ma petite soupe. Et pour en revenir au fait de pas dormir ensemble, beaucoup d'hommes, la plupart même, ronflent. Et j'ai un sommeil tellement léger que le moindre truc me réveille. Tu réveilles l'autre, donc le pauvre, il dit mais non, je ronfle pas, si t'es obligé de l'enregistrer pour lui prouver le lendemain. Ça peut même devenir conflictuel, alors autant se retrouver le lendemain matin. Salut chérie, t'as bien dormi, moi aussi c'était super. Ce soir ça va être tout simple, la minestrone, hop. Ça là, parce que la poubelle, je l'ouvre, je la ferme, allez, très honnêtement, minimum 10 fois par jour. C'est un poids de 4 kilos. Et bah genre de très jolis bras, par contre faut que j'alterne, moi je suis droitière, Eric est gaucher, faut que j'alterne, faut que je me force, je vous dis qu'à la fin, faut que j'arrête de faire la compte, parce que 4 kilos sur l'orteil, ça doit être quelque chose quand même. Elle aime beaucoup sa mère, elle aime beaucoup sa maman. Un jour je vais le dresser, je vais faire comme ça, il va arriver comme ça. Si je lui mets la croquette, de toute façon un chat, ça ne se dresse qu'à la croquette. Oh, ça serait ouf, ça c'est un de mes rêves. Dresser my cat. My cat? Ah, ça régresse hein, quand on est gaga, c'est pas beau. Hein. Les beaux. Les très beaux. Beaucoup. Ouais, j'ai encore d'espace. Alors, c'est vrai? Est-ce que je suis la meilleure cuisinière du monde entier? Ouais. Salaud, j'y crois pas une seconde. Oui, c'était délicieux. Ah, d'accord. Et j'étais en train de faire un monologue. Non. Je te jure. Mais tu sais sur quoi? Non, attends, je pose parce que. Moi, j'avais aucun problème sur le fait. Toutes les personnes qui. Non, j'ai aucun problème. Avec le fait de faire lit séparé, ronflement et tout ça. Que certaines personnes. C'est un peu chiant quand même de lit séparé. Alors, c'est cool. Et bah, c'est un truc d'homme, c'est les hommes, mais c'est vous aussi. Non, mais c'est cool, mais c'est chiant. Je sais que c'est chiant. C'est cool. Mais oui, parce qu'il y a ce que... Oui, c'est sûr. Non, c'est cool parce que tu fais... Tu fais une bonne nuit. Non, tu te couches quand tu veux, tu lèves quand tu veux, si. Tu vas pisser quand tu veux. Et pour ça, c'est cool. Mais alors, par contre, voilà, oui. Faut faire gaffe quand même de... Quand même qu'il y a... Il reste un petit peu de... Quand même. De vie de couple, une intimité. Tu trouves qu'il n'y a pas assez, toi? C'est-à-dire que si tu dors pas ensemble la nuit... Est-ce que tu m'envoies un signal? Non, pas du tout, mais je t'ai dit. Faut qu'il y ait un moment quand même que le couple se retrouve. Oui, mais enfin, dans l'absolu, j'ai encore plein de commandes. Là, je viens d'avoir 5 commandes pour la box. Là, il faut que j'aille manger, moi. Je suis désolé. En une heure de temps, j'ai fait 5 commandes de la box. C'est incroyable. Cool. Bon, cette fois-ci, parce que je crois que mon truc... Maman, elle a des crampes au ventre, mon Jack. Faut être gentille, ça, maman. Je vais manger. Alors, c'est vraiment... Ça fait limite bouillon, hein, le truc. C'est parfait pour ce que j'ai. Allez, hop. Oui, bah oui. Il est 7h20, j'attends 8h, je vais appeler le docteur. T'es concentré sur ta vie, mon Jackie? Oui. J'ai réussi à avoir un rendez-vous, et surtout j'ai eu un rendez-vous pour aujourd'hui en fin d'après-midi, donc c'est un horaire qui me correspond super bien. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas ton corps qui t'enverrait le message suivant? Voilà, tu en as bien profité cet été. Maintenant, c'est fini.
forcément, je parle en mon nom, l'été, tu bois plus l'apéro. En plus, moi, le reste de l'année, je fais super gaffe, je bois très très peu d'alcool. Mais là, on est pas mal sortis, on a vu pas mal de monde, donc à chaque fois, un petit verre. Surtout avec ma problématique d'hernie, normalement, il y a des aliments que je ne devrais pas, ou alors en très faible quantité, consommer. Les trucs un peu gras, quoi, les McDo... Mais les pizzas, bon, je sais pas trop, mais voilà, faut éviter. Tout ce qui est à base de tomates, tout ce qui est acide, tout ce qui est chocolaté, tout ce que je mange, quoi. Finalement, est-ce que c'est nécessaire que j'aille voir le médecin? Je crois que mon auto-analyse a été faite. Évidemment, je vais y aller, je rigole. En plus, c'est vraiment, ça irradie dans le dos, dans le bas du dos. Puis quand ça traîne comme ça, quand c'est sur 2 jours, mais là, c'est en continu, ça va faire 4 jours, 5 jours. Donc non, je vais y aller. On verra bien. Eric est rentré, il a fini les cours à 11h. Là, je vous dis, il est midi. On va grignoter, puis voilà. Je ne sais pas toi, mais moi, je vais manger. Moi aussi, j'arrive. Ok. Eric est parti, reprenez les cours à 13h. Moi, je vais en profiter, je vais tout briquer, je vais faire le plan de travail, la vaisselle, les éléments, le sol. Déjà, ça va me faire du bien à la tête. Et cet après-midi-là, quand je vais aller à mon rendez-vous médical, je crois franchement, ça fait une éternité que je ne l'ai pas mis, mais je vais remettre le masque. Si tu vas dans une salle d'attente où 10 minutes avant que tu avais un patient qui était contagieux, qu'on a foutu partout, il reste quand même des particules fines, même si elles ne restent pas très longtemps, elles restent quand même. Et ça peut très facilement rentrer dans les muqueuses. C'est tout bête. Donc, mon côté parano, mon côté peut-être un peu hypochondriaque me dit « Caro, mets ton masque !» Très honnêtement, et j'ai vraiment pas envie de tomber malade, personne ne pourra faire mon boulot. Je suis seule aux commandes. Si je suis malade, qui va faire les expéditions? Qui va faire les box? Qui va faire les appels? Personne. Ça, c'est un problème quand même. Donc, je me préserve au maximum. Je fais super gaffe. Et si ça doit passer par mettre un masque... Alors c'est très bien, le vinaigre ménager, c'est très efficace, mais ça sent fort, mais c'est efficace. Je dois vous dire que on va se quitter maintenant pour ce petit vlog. Quoique, petit, pas tant, hein, pas tant. Et j'espère que ça vous aura plu tout ça. Je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures. Je vous expliquerai. Bisous.